Coucou tout le monde, les gens, un lundi. Bon, par contre, exceptionnellement, aujourd'hui, le live sera ce soir, parce que Nini a rendez-vous elle a un rendez-vous à 15h. Donc, je vais l'accompagner, hein, ce qui est tout à fait normal. Bon, la situation continue à s'envenimer, hein, première vue. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des vidéos où c'est clairement dit que c'est le président de l'ONU qui dit qu'il continuera à fournir des armes à plus qu'il en faut à l'Ukraine. Donc voilà, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, on l'a toujours, hein, malheureusement. Je pense que cette guerre, on va vraiment l'avoir, hein. C'est sûr et certain. Depuis le temps que je le dis, en même temps. J'en profite pour boire un petit café en même temps avec vous. Bon, il y en a qui, à mon avis, qui seront à l'apéro quand la vidéo sera regardée. Mais bon, c'est pas grave. Bon, comme d'habitude, on va commencer par la France. Cette chère France. Notre pauvre France, maintenant on peut dire. Hein, si ça continue à ce rythme-là, on va devenir un pays du tiers-monde. Mais c'est pas loin, quoi. Oh, oui, on n'y est pas loin. Hein. Et il manque un poil de cul pour qu'on soit un pays du tiers-monde. Hein. Voilà. Allez, alors par contre, je répète encore une fois, et on lui a. Merci d'ailleurs à Matou d'avoir réagi. À Fab, si tu mets deux chiffres, si tu veux mettre deux chiffres, s'il y a ton chiffre et celui de quelqu'un d'autre, précise-moi la deuxième personne. Parce que tes chiffres à chaque fois seront refusés. Voilà, moi j'ai plusieurs personnes qui me donnent deux chiffres, mais ils me précisent bien que c'est pour telle et telle personne. Voilà. Allez, enfin bref. Donc, Didier, Eric, Juan, c'est le mari de Dominique. Chantal, Claire, Christophe, Agnès, Walkindiz, le 8. 8. Et nous avons le fou. En droit. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y en a un qui veut vous dire bonjour. Vas-y. C'est bon? C'est un petit bonjour tout le monde. Hein. Enfin bref. Demi Marlène, Bernard, Magali, Claudine, Jacqueline, Cabaye, Sissi, le 7. Le grand prêtre en droit. Nicole, d'ailleurs bienvenue parmi les fous Nicole, hein, c'est la première fois qu'il y avait un chiffre. Aurel et Kevin le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 19. Le monde en droit. Bernadette, Dame Luna, Jean-Luc, Katia, le 10. 1, 10. La Lune en droit. France, le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 16. L'Ermite. Et ça, c'est une carte importante puisqu'elle se retrouve au centre. Marie-Michel le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 11. La grande prêtresse en vert. Jeannine, Mystère guerrière et Liliane le 4. 1. La fertilité en vert, ça, hein, vous devez vous douter que c'est par rapport à l'industrie, où l'industrie continue à se casser la gueule, l'industrie, le commerce, etc., continue malheureusement de se casser la figure, merci à l'Union européenne, au niveau de l'énergie. Voilà.
Véronique, Patrick, Françoise, Brigitte, Matou, Jérôme le 17. 1, 12. La dame en droit. Et de Monique le 2. La justice en vert. Alors, moi par rapport aux cartes que j'ai, je sais pas pourquoi j'ai toujours cette sensation que des personnes haut placées, c'est-à-dire je pense dans l'industrie, enfin dans la politique, va partir. Bon, bien entendu, toujours encore ce problème, comme je disais, hein, la fertilité à l'envers. Pour moi, ça m'indique on va encore apprendre malheureusement la fermeture de boulangeries, de petits commerces, etc. Il y a même des gros commerces qui ferment, pour vous dire à quel point c'est catastrophique. J'ai vu qu'il y avait un hypermarché qui va encore fermer. Enfin bref, ça devient vraiment dramatique, quoi. Sans compter il y a les commerces, mais il y a aussi les petites entreprises qui ne pourront pas mettre l'argent qu'il faut, hein, pour pouvoir s'en sortir. Et malheureusement, c'est des personnes qui vont devoir prendre la décision de fermer leur entreprise. C'est bien dommage, mais c'est des personnes qui ont investi énormément de temps, énormément d'argent. Il y a des gens qui investissent énormément d'argent dans leur industrie. Et résultat des courses, à cause de l'augmentation de l'électricité, en l'occurrence, ne peuvent plus assumer l'ouverture de leur entreprise. Donc voilà, et là, ça devient vraiment catastrophique. Mais le problème, c'est qu'il est là, c'est que je ne vois pas les gens réagir comme il faudrait. Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde reste dans son petit coin, en train d'attendre, en train de pleurer dans ses petits mouchoirs, et puis dire qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas comme ça que ça avancera les choses. Malheureusement, les manifestations, on entend de moins en moins parler. Là, normalement, demain, il y a une manifestation de tous les syndicats, à voir ce que ça va donner. Le problème, et ça je le répétais dans plusieurs lives, où le problème c'est que chaque corporation ne veut pas se mêler à d'autres corporations. Comme on dit, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et ça c'est bien dommage. Et c'est pour ça que l'État en profite, quoi. Ils savent très bien que en divisant, ils arriveront à faire ce qu'ils veulent. Donc là, ça devient catastrophique, hein. On continue à s'enfoncer dans une merde noire où, comme personne réagit, ça continue à couler, quoi. Hein. Voilà. Moi, je pense qu'il va y avoir des personnes à la tête de l'État qui vont partir. Ça fait un moment que j'en lis, mais à mon avis, là, vu la situation, ça va dégénérer. Et si le français ne fait pas quelque chose maintenant, d'ici juin, ça va être un bordel pas possible. En plus, comme je vous le disais, hein, on a le problème que l'ONU veut continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Ils veulent intensifier ça d'ailleurs, et on a toujours cette épée en France risque de se prendre des bombes sur la figure par Poutine. Voilà. Surtout qu'il a carrément parlé dans une vidéo qui commençait à mettre en place les missiles supersoniques. Et voir les limites, les bombes nucléaires. Bon, ça sera pas en France les bombes nucléaires. Moi, je pense plutôt, s'ils devaient utiliser la bombe nucléaire sur quelqu'un, ça serait sur les États-Unis. Voilà, parce que là, pour frapper très fort. Voilà. Et pour les calmer tout de suite. Donc ça, c'est, on a ce risque, voilà, de Troisième Guerre mondiale. On va pas se voiler la face. Il faut arrêter de se voiler la face, malheureusement.
C'est pas en disant en France tout va bien, on a 7 millions de chômeurs, etc. etc. Mais tout va bien. Non, ça va très très mal, industriellement, le commerce, etc. etc. Surtout qu'en plus Macron veut faire encore un prêt, enfin veut emprunter de l'argent à hauteur de 270 milliards d'euros à différents pays. Donc c'est très 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 compliqué la situation en France. Voilà. Et malheureusement, si le français ne bouge pas maintenant, eh ben, je dirais que d'ici juin à peu près, on aura de très très mauvaises surprises. Voilà. Ça, c'est pour la France. Je pense que je vais faire sur l'Europe, parce que c'est vrai qu'avec l'histoire de l'ONU là, qui veulent intensifier, etc., ça m'inquiète. Je vous le cache pas. Je suis très inquiet. Donc, on va faire sur l'Europe. Et je pense qu'on va avoir de mauvaises surprises. Alors, quand je fais l'Europe, c'est à long terme, attention. Hein. Ça peut être demain, comme ça peut être dans 6 mois, voire un an. Donc, attention. Ne prenez pas en disant, oui, c'est les prédictions de la semaine, donc ça va se passer cette semaine. Non. Voilà. Il faut savoir que dans la voyance, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas l'effet espace-temps. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand exactement. Moi, ça m'a toujours fait rire d'entendre des voyants ou des pseudo-voyants hein, qui disent voilà, ça va t'arriver telle chose à telle heure, à telle date et telle heure. Il faudra qu'ils m'expliquent comment ils font. Parce que moi, après 50 ans de voyance, j'ai toujours pas cette. J'y arrive toujours pas. Hein. Bon. Si une fois ça m'est arrivé en disant un exemple, par exemple, hein, n'est-ce pas Gaëlle, où on a bien rigolé parce que elle nous a envoyé un message après. J'expliquais un peu le principe de la voyance et j'ai pris Gaëlle comme exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est GL sur quand je suis en live. J'ai dit c'est comme si Gaëlle, je lui ai annoncé demain matin à 10 h qu'elle allait faire pipi. Le lendemain, elle nous envoie un message et elle nous a dit Francis, c'est pas trompé, j'ai été faire pipi à 10 h. Bon, c'est assez comique, mais bon, voilà. Bertrand, Catherine, JP, Pascal, Christophe le 3. Le chariot en vert. Raymond Levent. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oula! La force en droit. C'est pas bon ça. Petit Christophe le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La justice en droit. Antoine, le mari de Catherine, le Maïté et JC, le 9. 1, 9. La dame en droit. Alain, Marie, le 5. 1, 2, La grande prêtresse en vert. Madidina, le 21. La lune en vert. Lucien, Bastien, Graziella, le 12. 12. Le grand prêtre en vert. Jocelyne, le 6. 1, 6. Le monde en vert. Et pour finir, Delphine Patricia, le 14. 1,
Et nous avons le magicien en droit. Je remercie Mimis, Stéphane, Loulou qui m'ont donné le 22, Yvette, Patrick qui m'ont donné le 1, Françoise et Sylvie qui m'ont donné le 15. J'en avais pas eu besoin, les amis, ça sera pour le prochain lundi prochain. Voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, ça va être fait. Donc bah, c'est bien ce que je pensais hein, par rapport à l'Europe, j'ai cette mauvaise sensation. Vous allez me dire, c'est que justice par rapport à ce qui se passe par rapport à la Russie. Mais il y a de la violence. Hein, et moi, la seule violence que je peux voir, c'est soit l'OTAN déclare la guerre à la Russie ouvertement. Et là, on a comme la France, par exemple, fait partie de l'OTAN, on va être obligé de se mettre dans la bagarre. Et là, ça va être coton parce que à mon avis, on va se faire mais défoncer comme des. On a rien de temps. Ça va être quelque part une guerre éclair. Voilà. Quand je dis guerre éclair, ça peut être entre 3 et 6 mois. Hein. Voilà. Là, pour l'instant, Poutine, il est bien gentil, mais à mon avis, au bout d'un certain temps, ça va commencer vraiment à l'énerver. Alors, ce qui me fait rire, c'est que les journalistes nous disent, ouais, Poutine, il est malade, il a 14 cancers, il est Alzheimer, il est Parkinson, il est ceci, il est cela. Waouh, moi j'ai vu des vidéos de lui récemment, il a pas l'air d'être si malade que ça. Hein, parce que aller prendre un bain de Pâques, non, aller prendre un bain du je sais plus quoi, dans de l'eau glacée, ben le mec, pour son âge, il est bien. Voilà, il est bien conservé, il tremble pas comme une feuille. Hein. C'est moi qui vous le dis. Donc voilà, nos chers étant de journalistes, nous racontent bien des conneries. Le problème, c'est que voilà, on a ce risque ouvert. Mais là, on ne peut pas faire autrement, puisqu'il y a déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des journalistes qui en parlent, il y a des politiques qui en parlent, il y a beaucoup de monde qui disent, attention, on va sur une guerre mondiale. Voilà. Et je suis pas le seul à le dire. Hein, pour entendre des politiques dire ça, même à Bruxelles, ils en parlent. C'est pour vous dire à quel point que. Ça devient quand même assez chaud. Même à Bruxelles, ils disent attention, on a une menace de guerre mondiale. Voilà. Donc, ça va être destruction pour reconstruire derrière. Nous, en France, en Europe, le problème qu'on a en plus d'avoir ce risque de guerre mondiale contre la Russie, c'est d'avoir les migrants et réfugiés qui, n'auront pas ce qu'ils veulent maintenant, c'est-à-dire loger, nourri, blanchi, soigner, tout ça gratos, on pourra plus le faire. Et donc là, ça risque de poser un problème. C'est que eux, ils vont vouloir continuer à avoir ce qu'ils veulent, ce qu'on leur donne. Et s'ils n'ont pas ce qu'on leur donne, et risquer de faire des problèmes. C'est-à-dire des grosses manifestations où ils vont pas se gêner pour foutre le feu aux bagnoles, etc. etc. Donc on va avoir ce gros problème en plus. De la Russie, on va avoir aussi le problème de la migration et des réfugiés. Voilà. Donc quelque part, on est pris entre deux feux, dans un étau qui risque de faire énormément, énormément de dégâts sur toute l'Europe. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est malheureusement la situation qui n'évolue pas dans le bon sens. Au contraire, loin de là. C'est pas fait pour s'arranger. Et malheureusement, comme je dirais, et comme certaines personnes qui diraient, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah toi, pas grand-chose. Le monde entier, oui, on peut y faire quelque chose. Comme par exemple pour les retraites, c'est qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais personne pense aux gamins qui vont se taper des boulots jusqu'à 65 voire 70 ans suivant les métiers. Hein, mais là, pour l'instant, les gens pensent à leur petit nombril en disant mais mes gamins, ils vont faire comment? Ils vont se démerder.
c'est pas une solution. Ça, c'est clair que c'est pas une solution de dire bah mes gamins vont faire comme moi, ils vont se démerder. Non, non, c'est à nous de les protéger, hein. Vos gamins, c'est à nous de les protéger. Et tant que bah, ça, les gens ne le comprendront pas, et ben ça va avancer, mais dans le mauvais sens. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à ce soir, exceptionnellement, ce soir, ce sera ce soir le live. Hein, parce que Nini, comme je vous disais, elle avait rendez-vous cet après-midi à 15h. Donc je l'emmène et je vous dis à ce soir. Allez, courage tout le monde et restez bien au chaud chez vous.